Adorer le Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, je t'aime et je prie que tu ouvres mes yeux pour contempler ta gloire. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux juste te connaître. Révèle-toi à ma personne afin que je te connaisse, Jésus. Commence à l'adorer. Dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Je veux juste te connaître davantage. Bon. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, juste t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, oui t'aimer, oh, je veux t'aimer, mon Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh mon Dieu, je veux t'aimer, oh Samari wa inna heslomeros, je veux t'aimer, tout Jésus, je veux t'aimer. Zelomi wa inna helomi. Rabuni firia loka wa anhasmali wa inabalata feloza. Somari warumi wa ines promidal. Rabana el koraza. Jeremy wa Jeremy. Usberam la ayomelo. Use fera mo gasura mira more valdole tu m'as sauvé et je suis sauvé tu m'as sauvé et je suis sauvé tu m'as sauvé mon Jésus. Tu m'as sauvé, tout Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, mon Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, oh mon Dieu. Tu m'as sauvé. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir pour ta grâce et ton amour manifesté dans nos vies. Merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé de tout plan de mes ennemis.
Je vis pour toi, Seigneur. Parce que je suis venu ce soir. Souviens-toi de mes problèmes. Sois la solution à mes problèmes. Seigneur, je te fais confiance. Et je sais qu'avec toi, la honte ne sera plus mon partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen trois fois et c'est scellé. Acclame pour le Seigneur. Je voudrais que nous lisions ensemble pendant qu'on est debout. Prends juste ta Bible dans Philippiens 3, partie verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour toi-même et assois-toi dans sa présence. Est-ce qu'on a un bon lecteur là-bas? Voilà. Là maintenant, je suis plus à l'aise comme ça. Vous savez que quand vous donnez à un bororo le costume, il va toujours enlever. Minwowai bemanwai. Alléluia. Il y a quelqu'un pour lire? D'accord, Philippiens. Je vais enseigner vite. Hein. I'll teach fast. Vous voyez, l'inconvénient, l'une des batailles que j'ai à Bomo, c'est le temps. Vous comprenez? Parce que je me soucie de comment les gens vont rentrer chez eux. C'est ça qui me dérange. Hein? Il y a tellement de choses à faire. So many things to do. Et comme j'ai eu l'habitude de dire, say, jusqu'à présent, il y a now, des choses que nous n'avons pas encore manifestées. Mais qu'on va manifester avec that la grâce de Jésus. Jesus. Vous comprenez? Que Dieu te bénisse. May God bless you. La confusion ne sera pas ton partage. Will not be your share. Tous ceux qui ont demandé, oh, tu dis que Dieu est ton Dieu, il est où depuis là? Ils seront confus avant la fin de cette année. Je vous dis la vérité, avant la fin de cette année, la main de Dieu va juger ceux qui se moquent de toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Oui, l'apôtre Paul dit quoi? Dans Philippiens 7, Philippiens 3, partie de 7. Verset 7. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Arrêtons-nous là. Mes amis, regardez. Regardez-moi. Est-ce que vous me voyez? Lève la tête, regarde-moi. Est-ce que tout le monde me voit? Ok. Vous savez que dans quelques années, vous ne pourrez plus me voir, n'est-ce pas? Dans quelques années, vous ne me verrez plus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que je serai mort. Vous allez me pleurer. Vous viendrez faire mes obsèques pour ceux qui seront gentils pour venir ce jour-là. Qui sera mes obsèques? Hein? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Voyez, comme vous me regardez, comme je suis devant vous, un jour, je vais mourir. Vous voyez. Les gens me regardent comme ça, comment le père, celui il vient gâter la soirée des gens, quelqu'un s'est bien habillé pour venir, il va mourir. Non! C'est une réalité. On ne doit pas se tromper. Regardez, momie est où? Elle est partie, n'est-ce pas? C'est une réalité. En fait, je ne voulais pas dire que tu vas mourir bientôt. Je préfère prendre l'exemple sur moi. Je ne voulais pas que tu te fâches. Tu vois, donc c'est pour ça. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? La vie de l'homme va s'arrêter un jour. Tôt ou tard, ta vie va s'arrêter. Et nous irons au ciel là-bas.
habiter avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Donc c'est le plus grand voyage qu'un homme doit préparer sur la terre. Rencontrer Jésus-Christ, c'est la plus grande chose. C'est le plus grand voyage que chaque être humain doit préparer tous les jours dans sa vie. Donc accepter Jésus, c'est un don de Dieu. Jésus-Christ, c'est un cadeau de Dieu pour te permettre, après ta mort, de ne pas aller en enfer, mais d'aller dans la belle maison que Dieu t'a gardée parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour pardonner tes péchés. Et l'apôtre Paul dit ceci, que les choses qui étaient un gain pour lui, il parle du péché en fait. Il parle des mauvaises choses qu'il faisait et qui étaient un gain pour lui. Il dit qu'à cause de Jésus, il a abandonné ces choses pour désormais faire de Jésus-Christ son trésor. Chacun d'entre nous, avant de connaître Jésus, chacun avait un trésor. Certaines personnes, leur trésor, c'était les marabouts. Moindre chose, ils étaient dans les maisons des marabouts. D'autres, c'était la boisson. D'autres, je ne sais pas, c'était la cigarette. D'autres, c'est... Vous connaissez vous-même toutes ces mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit ceci, parce que je ne veux pas aller en enfer, et que j'ai reçu Jésus-Christ, et que je veux être un bon chrétien, ces choses auxquelles je tenais avant, des boîtes de nuit, les bistrots, hein? Les sorties entre copines, pour aller boire et se gâter dehors. L'apôtre Paul dit que ces choses que j'aimais avant, à cause de Jésus, je les ai abandonnées. Parce que Jésus m'a enseigné que ceux qui font ces choses ne peuvent pas plaire à Dieu. Et comme je veux plaire à Dieu, j'ai dû abandonner toutes ces choses pour apprendre à aimer les choses que Dieu m'enseigne. Je ne vais plus en boîte de nuit parce que j'appartiens à Jésus. Regardez, supposons que tu es un chrétien. Tu vas dans les boîtes de nuit, dans les bars. La nuit, tu es une fille, tu vas faire les poteaux. La nuit, tu fais le poteau. Vous connaissez le poteau ici? Il y a le poteau à Berthois. On fait le poteau ici, non? Pas les poteaux électriques, hein? Tu fais le poteau, pas les poteaux de maison. Et après, tu viens à l'église. En fait, ces choses te séparent de Dieu et font que le diable te touche. Les malédictions de la maison de ton père et de ta mère te touchent. Ce qui arrive à ceux qui font ce genre de choses va aussi t'arriver. En venant à l'église, ça ne va rien changer. Si tu ne changes pas de vie, ta condition ne changera pas. Donc il faut que ces choses qui étaient importantes pour toi, que tu les abandonnes. Est-ce que vous me comprenez? Que tu laisses passer ces choses-là. Que tu renonces à ces choses. Que tu dises non à ces choses. Peut-être tu venais à l'église, mais tu continues à voler. Tu viens à l'église, mais toi tu mens. Ça veut dire que tu mens. Même le diable lui-même ne peut pas mentir comme toi. Quand tu tapes un mensonge comme ça, même le diable est évanoui. Il faut que tu abandonnes ces choses. Que tu commences à chercher ce qui est bien devant Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la conversion. Tu te convertis, tu ne vas plus chez les marabouts, tu ne pratiques plus tes traditions anciennes. C'est à partir de ce moment que Jésus va commencer à te protéger. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne dorment pas la nuit, n'est-ce pas? La nuit, tu as les couches de nuit. Ou la nuit, il y a les morts qui t'apparaissent. Ou on te poursuit. Ou on t'arrête. En tout cas, tu es menacé dans la nuit. Ces choses, quand tu les vois, ça veut dire que dans ta vie, quelque part, il y a quelque chose que tu fais qui ouvre la porte au diable dans ta vie. Est-ce que vous m'écoutez? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous mes habits. Je les ai mis devant moi. J'ai commencé à regarder toutes mes choses qui m'appartenaient. Parmi toutes ces choses, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai volé? Si je trouvais qu'il y a quelque chose que je volais à quelqu'un, parce que je volais, je volais mal. Moi, je volais haut. J'étais un ancien ninja. Hein. Nous, on se masquait comme les ninjas la nuit. Parce que j'ai fait le kung fu. Le wushu, le Shaolin traditionnel et le Tang Lang Pei.
dans les trois branches de Kung Fu, si j'ai pratiqué ça. Donc, et le ninjutsu, non, se masser comme le ninja, la nuit là, on sort, ciao. C'est comme ça que les ninjas courent, hein. Ils ne courent pas en désordre comme toi, tu cours souvent là. Non, ils courent en désordre, ils courent comme ça. Vous voyez, ils ont partait voler les mangas des gens. Tu vois les ninjas, ils grimpent le manga. Ta ta gang 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 gang. And in school, les petites, hein, quand le professeur donnait les cours, moi je regardais les petites. Quand une nouvelle petite qui entre en classe, elle dit waouh, elle est belle. Aïe, 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 aïe. Je te rêve. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai compris que ces choses, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois plus les faire. J'ai renoncé à ces choses. J'ai abandonné ces choses. Je me suis conformé à la parole qu'on m'enseignait à l'église. J'ai commencé à sortir de la mauvaise vie. Et ce qui était un gain pour moi, j'ai commencé à regarder ça comme de la boue. Pour que Jésus-Christ soit mon or. Pour qu'il soit la chose la plus précieuse dans ma vie. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est mon trésor. Je veux qu'il soit aussi ton trésor. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus soit son trésor ici? Donc, tu dois abandonner les mauvaises voies que tu suivais quand tu n'avais pas Jésus. Quand on est déjà à l'église, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. C'est-à-dire que si tu étais une sœur qui était une fée woman, tu frappais les gars dehors. Pour avoir l'argent, avoir leur téléphone, pour qu'on paye ta maison. Tu dois abandonner ça. Commence à travailler de tes propres mains. Même si c'est vendre des arachides pour payer ta chambre, gagne ton argent dans la justice et de manière propre. Deviens quelqu'un de sérieux. C'est ce que l'église enseigne à la jeunesse. Alléluia. Donc, il dit ce qui était pour moi comme un gain, je regarde cela comme de la boue. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte. Tout ce qui me sépare de Dieu, tout ce qui m'éloigne de Dieu, je préfère perdre ça. Toutes choses dans ta vie qui t'empêchent de plaire à Dieu, tu dois regarder ça comme une perte. Tu dois te séparer de ça. Sois un chrétien radical. Si tu te cachais pour aller chez le marabout, arrête. Mets ta confiance en Jésus désormais. Est-ce que vous me suivez? Oui. À cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Voyez, parce que j'aime pas le temps, j'allais vous expliquer ça en grec. La connaissance que tu as de Dieu, ne la laisse pas être stérile. Quand tu enseignes à l'église, va pratiquer à la maison. Même dans ta manière de t'habiller, tu ne dois plus t'habiller comme lorsque tu n'avais pas Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance de Dieu. Dans ton quartier, dans ton lieu de travail, ne t'habille plus comme une prostituée comme avant. Les gens doivent remarquer que même ton habillement a changé. Ne parle plus comme les non-croyants où tu disais les bêtises avant. Non, maintenant, les gens doivent remarquer qu'il y a un changement dans ta façon de parler. Ne te comporte plus comme avant où tous les garçons venaient. Chaque garçon veut t'embrasser. Tu ris. Il tape tes fesses. Comme la sœur Marie. La sœur Marie, on fréquentait en Gaoundé ensemble. Et la sœur Marie, c'était une sœur très stricte. On avait cru ensemble. Elle était même mon aînée dans la foi. On ne lui parlait pas n'importe comment. Un jour, un gars a voulu lui parler et jusqu'à venir lui faire bisous. Elle a giflé le gars au nom de Jésus. Elle lui a dit, ne tente pas. Les choses faites aux filles ici au lycée, là, moi je ne suis pas dedans. Je suis né de nouveau. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Elle était comme ça. Après ça, il y a un garçon qui insistait, il insistait. Et un jour devant moi, le gars arrive et dit, Sainte Vierge Marie, il tape un peu ses fesses. Au lieu qu'elle le pousse encore comme la dernière fois, elle fait, moi je n'aime pas ça, ce n'est pas bien. Le gars aussi dit, il tape encore, elle dit, je n'aime pas ça. Il tape,
Elles ont disparu derrière la salle de classe. Quelques mois après, le ventre est sorti. La sœur Marie n'était plus radicale dans la foi. Vous comprenez? La foi et l'enseignement de l'Église doivent te préserver. Laissez-moi vous dire une chose. Tous les jeunes gens avec qui moi j'ai grandi sont morts du VIH. Vous me suivez? Tous les jeunes gens, mes amis d'enfance, la majorité, ils sont morts du VIH. Et ils sont morts ayant les enfants hors mariage. Mais moi, l'enseignement de l'Église que j'ai mis en pratique m'a préservé de ça. Et ça suivait. Ça m'a gardé. Sinon, je serais aussi mort. Je ne suis pas laid comme homme. Hein. Il y a les filles, si je ne craignais pas Dieu, hein. C'est que je vivais aussi comme d'autres garçons là-bas. Ce que je tirais en désordre, la mitraille sur toutes les filles. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune homme ait le bon sens? C'est l'enseignement de la Bible qui m'aide à comprendre que ça, ce n'est pas utile. Ça ne me servira à rien. Et je reste sur cet enseignement. Eux, ils ont écouté, ils n'ont pas mis en pratique. Et ils ont cru qu'ils jouaient la vie. Maintenant, ils sont où? Ils sont morts. Et ils n'ont rien fait de leur vie. J'ai gagné. J'ai gagné en temps. J'ai gagné en santé. Hein? Et j'ai gagné. Quand je donne mon âge aux gens, les gens ne croient pas que j'ai 43 ans. Oh. Bientôt 50 ans. Oh. J'ai des gens, il y a des gens qui ont 38 ans. La barbe est blanche partout. Tu sais, le gars est fini. Tu sens que le gars est fini. Un jour, j'ai fait un bilan de santé. Le docteur me demande que mes prophètes, c'est le sang de l'ange ou c'est le sang d'un homme? Je lui ai dit que c'est pour un homme, c'est mon sang, non? Il dit, c'est pas possible. Comment on peut faire les examens à quelqu'un? Il n'y a rien. On m'a fait les examens au moins sur 6 pages. Tout ce qu'on peut appeler maladie, MST, IST ou n'importe quoi que vous connaissez. Je lui ai dit, doc, je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne veux pas en boîte de nuit. Toi, tu vas en boîte de nuit. Regarde comment tu es devenu. On dit la boîte de nuit. Ça veut dire que c'est dans la boîte. Toi, mais tu peux mettre ta tête et ta vie dans la boîte. On te ferme dans. Toi, mais tu peux, on te ferme dans la boîte de nuit. La boîte, tu peux entrer dans la boîte, on te fait. Et ta vie est comme dans une boîte. C'est ça normalement. Déception amoureuse sur déception amoureuse. Pleurs sur pleurs. Tout ce que tu fais est bloqué. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'exposes. Tu allais entrer dans la boîte, on t'a fermé. Le diable a mis le cadenas. Il a jeté la clé en brousse. Il a jeté la clé. Boglota. Tu es fini. Mais là, tu viens à l'église, tu pleures. Oh, t'as dit, ma vie ne donne pas, ma vie ne donne pas. Tu peux faire quoi en boîte de nuit? Tu peux faire quoi dans les bars? Un enfant de Dieu, il y a des milieux où il ne doit jamais aller. Il y a un genre d'habillement qu'il ne doit plus jamais porter. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu honore ceux qui honorent sa parole. À partir d'aujourd'hui, prends la décision, même ceux qui sont à l'école. Sortez du désordre en classe. Quand les élèves font le désordre, restez tranquille. Je parle aux jeunes. Nous aurons notre conférence de 3 jours ici avec les jeunes. Je vous dis la vérité. En classe, je ne parlais pas. Je parlais lorsqu'il fallait répondre à une question. Donc ma voix était rarissime. Et ça fait que à chaque fois que je me levais pour parler, les étudiants, les élèves se levaient pour acclamer. Ouais, la voix rare va parler. Toi, tu parles, tu bavas jusqu'à même les gens. Dès qu'on te voit, les gens tombent malades. Celui-ci a la typhoïde, celui-ci a la fièvre, celui-là, le palud l'attrape, tellement tu bavas en classe. Non! La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière brille donc devant les hommes. Si on se moque des gens, toi, enfant de Dieu, ne te moque pas. Reste tranquille. Si on insulte les gens, n'ouvre pas ta bouche. Parce que la Bible dit que celui qui insulte le pauvre insulte Dieu qui l'a fait. Chaque fois que tu insultes quelqu'un, c'est pas lui que tu as insulté, c'est Dieu que tu insultes. C'est un peu comme lorsque tu insultes un enfant mal élevé. En fait, c'est pas l'enfant que tu insultes parce qu'il ne s'est pas élevé lui-même. C'est ses parents que tu insultes. Tu es en train de dire que ses parents ont échoué dans son éducation. C'est la même chose lorsque tu vois quelqu'un passer à côté de toi. Tu dis, regarde comment elle est patapouf. Non, en fait, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne connaît pas créer les gens. Que c'est toi qui connais mieux créer. Que Dieu l'a créé patapouf. Vous voyez. Comme si toi-même,
tu étais là quand on t'a fait de ton corps. When they made your body. Soyez humble. Be humble. La vie ne nous appartient pas. Tu ne sais pas comment ton demain sera. Aimez les gens, respectez les gens. Et soyez la lumière partout où vous êtes. Craignez le nom de Jésus-Christ. Si dans ton lieu de travail on vole, toi ne vole pas. Parce que tu es enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des voleurs. Nous sommes des citoyens honnêtes. Sois un exemple et sois un modèle. Que la crainte de Dieu soit ton oxygène. Oui. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Toi, tu as renoncé à quoi? What did you renounce? Tu as déjà renoncé à quoi en tant que chrétien? Il n'y a pas de marche avec Dieu sans renoncement. Vous comprenez? Avant que je ne donne ma vie à Jésus, I gave my life to Jesus, j'étais amoureux. I was in love. Vous savez, j'étais très amoureux. J'étais amoureux d'une fille qu'on appelait Mélanie. A girl called Mélanie. Mélanie, oh. Mélanie, non, c'était avant que je connaisse mon mari, c'était en 93. It was in 93. Non, 80. Oui, 80. 80. Non, 91. 91. Mélanie, je l'aimais jusqu'à. Quand je partais voir Mélanie, sa mère a découvert que je l'aimais. Et sa mère, and her mom, un jour, one day, comment est-ce que je voyais Mélanie? How did I see Mélanie? Sa chambre donnait en brouche. Was given in a booth. Donc j'entrais dans la brouche. I entered the booth. Souvenez-vous que je suis un ancien ninja. Remember, I'm an old ninja. Donc j'entrais tap, 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 tap. Quand j'arrive, je vais. Et elle fait. Du coup, elle dit à sa mère que maman, je vais aller puiser de l'eau. Elle prend le seau. Elle contourne, elle me retrouve dans les hautes herbes. Et on reste en cause, en we cause, en cause. Discuss. La vie était belle. Life was beautiful. En cause. Donc, so, un jour, one day, quand sa mère a vu que when her mom saw je venais her, toujours la chercher le matin pour qu'on aille à l'école, I always came to look for her in the morning, elle a commencé à m'interdire de venir chez elle. She started telling me not to come. Alors, to un jour, house. J'ai écrit une lettre, so one day I wrote a letter pour Mélanie. For Mélanie. Et suis arrivé au salon. I arrived the j'ai appelé sa petite soeur. I called her je lui ai remis la lettre. I gave her the j'ai letter. Dit, Mélanie est où? Elle me dit, elle est dans la chambre. Le père de Mélanie était assis, sa maman était assise, on regardait la télé. Je lui dis, j'ai dit, va dans la chambre, tu lui donnes la lettre, c'est vite. Hein? Elle dit, d'accord. Elle a pris la lettre, j'étais assis. She took the letter, I was seated. Elle a avancé vers sa mère. She went to their mom. J'ai dit dans mon cœur, non. Elle allait donner à sa mère que maman, hein? She gave the letter to her mother. J'ai dit que, aïe, on dit c'est quoi, Ferdinand? J'ai dit le ventre me fait mal, je suis sorti, bam, je fuis. Le jour où l'on a tapé Mélanie jusqu'à. That day they beat me. Après, je suis allé en Gaoundéré. After quand je suis arrivé en Gaoundéré, oh, Galiata wa Anna Hello Meros, Meldata Merosa Fili Kalto, j'ai rencontré le vrai amour. Jésus-Christ s'est révélé à moi. Jesus Christ, et je l'ai connu comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. And I knew him as my personal Lord. Quand je suis revenu, when I went back, Mélanie m'a dit, Mélanie told cherche-moi, me, on fuit. Look for me, je ne veux plus rester avec mes parents, je veux rester avec toi. Je lui ai dit que, McDo, on fuit pour aller où? Moi-même, je n'ai pas où je vais habiter. Et je lui ai dit, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Quelqu'un que j'aime. Je lui ai dit, Mélanie, tu n'as pas besoin de fuir avec moi. Viens, je vais te montrer quelqu'un. Elle me dit, c'est qui? J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé ma vie. Je ne fais plus ces choses-là. Si tu veux, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Car moi, je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Je lui ai dit, aime Jésus. I said, love il ne te décevra jamais. He will never disappoint you. Elle m'a dit, fous le camp avec Jésus. Et on s'est séparés. J'ai accepté perdre Mélanie. Mes I amis, Mélanie, qui pouvait accepter perdre who Mélanie? Accept to lose Mélanie? Quelle était la raison de perdre? Tu as même vu Mélanie? Have you even seen her? Noir comme le charbon. Noir comme le derrière la marmite. Ses dents blanches comme la neige. Blanches comme la neige. Son sourire comme deux troupeaux de chèvres dévalant les pentes escarpées du mont Galahad. Mélanie, toi tu fais passer, tu n'as pas vu Mélanie. Écoutez, Jésus-Christ
Jesus Christ doit coûter plus cher que toute autre chose dans ta vie. Should be dearer than every other thing. Si tu es dans une mauvaise relation et que Dieu te dit quitte cette relation, laisse l'homme là, laisse la femme là, ne tarde pas, fais-le, c'est pour ton bien. Aime Dieu plus que tout, Jésus Christ d'abord, tout le reste après. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ. Ok, on peut prier. Can we pray? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Who loves Jesus? Qui dit ce soir Jésus-Christ d'abord? Who says tonight Jesus Christ first? Ne dis pas ça pourtant, tu as son numéro dans le téléphone, tu vas me l'appeler après que gars, on a fini, viens me chercher. Dis Jésus-Christ d'abord. Say Jesus Christ first. Seigneur Jésus, je t'aime. Lord Jesus, I love you. Quand je pense à ton amour pour moi, je suis stupéfait. Tant d'amour pour un pécheur comme moi est si grand. Quand je pense à ton amour pour moi, j'en perds les mots. T'es sacrifié pour me sauver, moi est si grand. Jésus, je t'aime. Lève la main et dis que tu l'aimes ce soir. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh! Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, écoutez mes amis. S'il y a un péché dans lequel tu vis, une mauvaise vie que tu mènes, et tu veux que Dieu te pardonne, lève ta main aujourd'hui. Dis Seigneur, je reviens à toi. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'humilie mon âme devant toi. Je veux t'aimer, Seigneur, comme toi tu m'as aimé. Je te demande pardon pour tout péché dans lequel j'ai vécu. Oh Père, sauve-moi de cette prison. Sors-moi de cette captivité. Seigneur, je veux mener une bonne vie. Saint-Esprit, change mon cœur. Change ma personne. Donne-moi de t'aimer et de mener une bonne vie devant toi. Que ton sang précieux me lave et me purifie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen trois fois et c'est scellé. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Maintenant, nous voulons prier. Now we want to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Regardez. Look. Vous savez, je ne connais pas bien Bertois, la zone de l'Est, mais il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie dans nos familles ici. Hein? Il y a beaucoup de pratiques ici à l'Est. C'est ça, n'est-ce pas? Nous voulons prier ce soir que toute malédiction due aux pratiques de sorcellerie à Bertois et dans l'Est, dans tous les villages de l'Est, que ces canaries enterrées soient brisées. Parce que dans une vision, j'ai vu des canaries enterrées, des canaries noires, où on a fait des incantations enterrées dans les villages, dans les villages, dans les villages. Hein? J'ai vu des canaries. Dis mon père, toute pratique de sorcellerie dans mon village qui influence ma vie, qui influence ma famille, je détruis cette pratique. Je casse les canaries. Je détruis les canaries. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie comme un vaillant héros ce soir avec autorité. Zales menhazeras wa ines pares, Claudia kawa anhas marabella esporazen. Seigneur, nous brisons tout canari, tout pratique de sorcellerie. Seigneur, dans tout l'Est,
Nous nous élevons et nous détruisons, nous renversons. Père, au nom de Jésus, toute pratique faite dans les Canaries contre ma vie, contre ma famille, Père, au nom de Jésus, Seigneur, que ces Canaries soient brisées au nom puissant de Jésus. Frère, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à détruire tout canari qui est enterré contre ta famille, contre ta destinée. Renverse la puissance de ces canaris. Détruis la puissance de ces canaris. Contre ta vie, contre ta famille. Dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, que ton ange déterre ces canaris. Père, que tes anges déterrent ces canaris. Dans le nom souverain de Jésus. Père, tout attaché à ces canaris. Père, nous les annulons ce soir. Père, nous les annulons ce soir. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Nous allons faire une prière. J'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu des bouteilles et des canaris. Et j'ai vu les noms des gens dedans. Et le Seigneur m'a dit que si ton nom est dans un canari ou dans une bouteille, ta vie ne peut pas réussir. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ne s'en sortent pas. Tu n'arrives pas à te marier, tu commences les affaires où tout le monde réussit. Toi, tes choses sont toujours bizarres. Nous allons sortir de ces bouteilles. Yes. Nous allons sortir de ces canaris. Yes. Lève ta main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout endroit où j'ai été attaché. Où j'ai été mis dans une bouteille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise cette bouteille. Je brise cette bouteille. Je brise ce canari. Je brise ce canari. Je libère ma vie. Je libère ma vie. De toute pratique de sorcellerie. De toute pratique de sorcellerie. Je libère mon étoile. Je libère mon étoile. Et je prophétise. Et je prophétise. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Ouvre la bouche et casse les canaris et les bouteilles où ton nom est. Au nom de Jésus. Mon père, mon père. Seigneur, tout le tout en toi. Seigneur, où on a mis mon nom? Dans une bouteille, dans un canari. Ce soir, je brise cette bouteille. Je brise ce canari. Je renverse cette bouteille. Père, ce soir, au nom de Jésus, que cette bouteille soit renversée. Père, que cette bouteille soit renversée. Que ce canari soit brisé. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche où tu es. Renverse ce canari. Brise ce canari. Brise ces bouteilles et prophétise sur ta vie. Si tu peux prier, c'est le moment de prier. Si tu peux crier, c'est le moment de crier. Si tu peux prier, c'est le moment de prier. Le ciel est ouvert. Fais que ces canaries soient brisées. Fais que ces bouteilles soient brisées. Fais que ces bouteilles soient brisées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prophétise. Et je prophétise. Sous l'onction de ce culte. Sous l'onction de ce culte. Mon étoile est libérée. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Dans le règne de l'esprit, in the spiritual room, j'ai commencé à voir des visions. I began to see visions. Et j'ai vu, c'est comme une armée, like an army, vêtue de noir, dressed in black, et qui était tournée contre nous, that was turned against et qui prophétisait, and et qui prophétisait, and et qui prophétisait. And et Dieu m'a dit, priez contre les prophéties de vos ennemis. Against the prophecies of your enemies. Toute personne person dans ta famille in your family, qui a dit que tu ne seras jamais ceci, ou que tu ne réaliseras jamais telle chose, fire. Toute personne dans ta vie que tu as connue, qui a proféré des paroles de malédiction contre toi, nous allons retourner ces paroles à l'expéditeur. Et tout souhait de nos ennemis ne s'accomplira pas. Amen. Ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Yes. Leurs prophéties ne s'accompliront pas. Yes. Nous allons être heureux. Amen. Nous allons vivre longtemps. Amen. Nous allons chacun accomplir sa vie avant Amen. De mourir. Je ne veux pas mourir parce qu'un homme a décidé que je meurs. Yes. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute prophétie. Toute prophétie. Des sorciers. Des sorciers. Des ennemis de ma vie. Des ennemis de ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Hors de ma famille. Hors de ma famille. J'annule ces prophéties. J'annule ces prophéties. Je les retourne à l'expéditeur. Je les retourne à l'expéditeur. Et je prophétise. Et je prophétise. Que je vivrai. Que je vivrai. Je serai grand. Je serai grand. Je réussirai. Je réussirai. Je me marierai. Je me marierai. J'aurai des enfants. J'aurai des enfants. Je construirai ma maison. Je construirai et j'habiterai ma maison. Sous les yeux de mes ennemis. Sous les yeux de mes ennemis. Ils seront obligés. Ils seront obligés. De me voir grandir. De me voir grandir. De me voir briller. De me voir briller. De me voir m'enrichir. De me voir m'enrichir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche, annule les prophéties de tes ennemis. Mon père.
père, mon père. Seigneur, toute prophétie. Prophétisez contre mes ennemis. Seigneur, toute prophétie. Annoncez par mes ennemis contre ma vie. Ce soir, Père, que ces prophéties retournent à l'esprit du temps. Retourne à l'esprit du temps. Et lève ta voix. Retourne à l'esprit du temps. Toute prophétie de tes ennemis contre ta vie. Toute prophétie de tes ennemis contre ta famille. Retourne cette prophétie dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui a prophétisé contre ma vie. Seigneur, toute personne qui a déclaré contre ma vie. Ce soir, je retourne sa parole contre lui. Père, que cette parole retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Seigneur, toute prophétie pour détruire ma destinée. Ce soir, que le concret se produit. Seigneur, que le concret se produit. Seigneur, change les prophéties de nos ennemis. Change les prophéties de nos ennemis. Viens de me comprendre au nom de Jésus. Que le Seigneur ce soir change les prophéties. Que le Seigneur change les prophéties de nos ennemis ce soir. Contre le au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Et j'ai vu une vision. Vision. Dans la vision, c'était une faible plante. It was a weak plant. Une plante fragile. A weak plant. Elle poussait. Elle poussait. Growing. Et j'entendais la voix de Dieu me dire, prie pour préserver la plante. La plante fragile. Plant. Et la plante grandissait. Plant jusqu'à ce qu'elle ait devenu un gros arbre. Sous l'ombrage duquel les animaux des champs venaient se reposer. Et dans les branchages duquel les oiseaux du ciel venaient faire leur nid. Et Dieu m'a dit de prier. Tu vas prier pour tes finances. Contre l'esprit de blocage dans ta vie et dans ta famille. Il y a un esprit qui ne veut pas que cette plante s'élève. Que quelqu'un s'élève financièrement dans ta famille. Lorsque tu vois dans ta famille, combien de millionnaires il y a, combien de milliardaires il y a, nous allons briser cette malédiction ce soir. Tout démon de blocage dans mes finances. Yes. Tout démon de blocage dans mes projets. Jésus. Parfois nous avons de très beaux projets. Mais qui ne décollent jamais. Regarde combien d'opportunités tu as perdu dans ta vie. Mon ami, ce soir tu dois te fâcher. Yes. Tu dois prier avec une sainte colère. Assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je me lèverai comme cette faible plante. Yes. Et je deviendrai un arbre puissant dans ma famille. Dis mon père, tout esprit de pauvreté, tout esprit de blocage, tout esprit de blocage dans mes finances, dans mes finances, dans mes affaires, dans mes affaires, dans ma vie, dans ma vie, dans mes projets, dans mes projets, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. J'appelle la richesse, j'appelle la richesse, j'appelle la prospérité, j'appelle la prospérité, j'appelle le succès, j'appelle le succès. Tout ce que je vais entreprendre, au nom de Jésus, ouvre la bouche contre le démon de blocage dans ta vie. Mon père, bien-aimé, dans le nom souverain de Jésus, Seigneur, 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 fais mes finances sont libérées. Dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus, mes finances sont libérées, mes finances sont libérées. Seigneur, fais de moi un grand, Seigneur, de ma famille. Oh, dans ma famille, Seigneur, fais de moi puissant, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans cette génération, Seigneur, rends-nous grand, Seigneur, rends-nous grand, Seigneur, enrichis-nous, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, Père, que nos finances soient libérées ce soir, Seigneur, que nos finances soient libérées ce soir, que les finances au nom de Jésus, on a prié. Yes. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Mes bien-aimés, écoutez. La prière de foi est puissante. Yes. Jacques a dit ceci. James said si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Il dit la prière fervente du juste guérira le malade. Amen. Il dit la prière fervente. Yes.
La prière avec insistance. Prayer with insistence. La prière agressive. Aggressive prayer. De celui qui croit. Of he that believes. Opérera le miracle. Will operate yes. The miracle. Il y a un miracle que j'attends dans la ville-ci. Je crois. I'm waiting for in this town. Que d'ici le mois de janvier. Hey. Before the month of January. 2022. Yes. Que les voitures soient alignées comme ça jusqu'au bout. I receive. Oh. Dieu te sort de toute limitation financière. Yes. Dans le nom de Jésus. Je reçois toute prophétie de pauvreté. Hey. Dans la maison de ton père. Yes. Dans la maison de ta mère. Je la brise au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui empêche aux membres de ta famille de posséder l'argent. Je parle de millions et de milliards. Je te sépare de cette liste maudite. Je te sépare de cette liste maudite. Yes. Je prophétise sur toi. Hey. Et je prophétise sur tes enfants. La pauvreté ne sera plus ton partage. Yes. La main de Dieu s'étend sur toi. Dans toutes vos entreprises. Hey. Vous serez remarqués dans la ville de Berthois. Hey. La grâce de Dieu te distinguera. Je reçois. Reçois la richesse au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la richesse au nom de Jésus. Je reçois. Quel que soit ce que tu fais, à partir d'où tu fais cela, yes. Reçois la bénédiction qui va t'élever. Reçois la bénédiction qui va t'élever. Je reçois. Reçois la bénédiction qui va t'élever. Je reçois. Tout démon qui retenait ta recherche. Je le frappe d'aveuglement. Amen. Je le frappe d'aveuglement. Amen. Je le frappe d'aveuglement. Amen. Et je prophétise. Yes. Que dans ta famille, avant la fin de cette année, les gens commenceront à voir la richesse de Dieu dans ta vie. Yes. Celui qui dit amen plus que son voisin reçoit la double portion. J'ai dit quelque chose de très sérieux. Dans la ville-ci, les gens vont te demander que ton église c'est où. Yes. À cause de la puissance de la grâce de Jésus. Même si c'est la tomate que tu vends, Dieu te prendra là-bas pour faire de toi un exportateur international de tomates. Je te sépare de tout ce qui est petit. Yes. Je connecte ta vie à la grandeur. J'ancre dans la grandeur. Je connecte ta vie à l'élévation. J'ancre dans la richesse. Je connecte ta vie à la richesse. J'ancre dans la richesse. La Bible dit ceci. Celui qui prend le pauvre de la poussière de la terre. Yes. Et l'indigent du fumier. Pour les faire asseoir à table avec les grands. Hey! Dieu te prend où tu es. Dans la honte où tu es. Yes. Dans la misère où tu es. Yes. Et il te fait asseoir à table avec les grands de ce monde. Je m'assois. Jesus. Peu importe la situation que tu vis, je sers le Dieu des miracles. Yes. Je ne sais pas comment Dieu le fera, mais je peux te rassurer d'une chose. Si tu mets ta confiance en Jésus, bientôt, les gens vont t'accuser que tu es entré dans la sorcellerie. Tu leur diras, c'est pas la sorcellerie, c'est la grâce de Jésus Christ. Yes. Tu es roi, tu es roi, tu es roi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Population de la région de l'Est, Bertois et ses environs, ne manquez pas les grands rendez-vous de ce mois d'octobre chez vous. Sous le thème « Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie ». Le révérend prophète Ferdinand Ekanet vous invite au spécial culte prophétique avec démocratie prophétique ce dimanche 17 octobre 2021 dès 16h et ce dimanche 24 octobre 2021 toujours à 16h. C'est le culte des plaintes à l'éternel avec distribution des formats OIN. Les stylos OIN pour écrire les plaintes seront disponibles avec consécration des familles, présentation des offrandes de consécration familiale, service d'eau OIN gratuite. Ces programmes se tiendront sur la route de Bélabo, en bon moment, après la deuxième barrière de police. Des bus seront disponibles pour transporter gratuitement les fidèles. Ne manquez pas ces rendez-vous, venez suivre un enseignement qui va révolutionner votre mentalité. La prophétie vous révélera le problème caché de votre vie et les malades auront droit tous à la guérison. Soyez présents, venez avec tous les membres de votre famille, car Dieu est sur le point de vous délivrer. Plus d'informations au 680 79 66 03. La prophétie est une lampe pour le peuple de Dieu et elle l'éclaire lorsqu'il se retrouve à la croisée des chemins. Tu veux connaître les plans de Dieu pour ta vie et les projets de Satan contre toi? Bienvenue au mois d'octobre, mois de la prophétie, sous le thème « Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie ». Viens au festival de prophétie à la CBC paroisse Rima de Douala, en Dogbon derrière l'immeuble Kamley, du mardi 12 au jeudi 14 octobre 2021, tous les soirs dès 16h. Et du mardi 26 au jeudi 28 octobre 2021 dès 16h. C'est avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Au programme, explication de la parole biblique à travers le lexique grec, guérison des malades et tous les plans de Satan te seront révélés. Si tu veux que Dieu te parle, viens à ce rendez-vous. Et n'oublie pas ton huile de faveur. Plus d'informations au 680 79 66 03. Le nom de Jésus-Christ est source de bonheur pour ceux qui s'attachent à lui et attendent son secours. Tu as soif du secours de l'Éternel car tu es face à des situations difficiles qui te dépassent. Le mois d'octobre est le mois de la prophétie sous le thème « Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie » et tu es invité à une nuit qui changera ton statut. La nuit des flammes, c'est ce vendredi 22 octobre 2021 à Yaoundé de 21h à l'aube à la base internationale Remabir en Kwabon avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Tu es malade et tu attends la guérison, tu vis la déception et tu recherches la consolation, tu ne comprends pas pourquoi tes affaires ne marchent pas et tu veux la prophétie pour t'éclairer ou tu veux renouveler ton engagement à servir Dieu, cette nuit est pour toi. Ne manque pas car Dieu va te visiter et faire briller plusieurs domaines de ta vie. N'oublie pas ton huile de faveur. Plus de renseignements au 680 79 66 03. Je parle encore aujourd'hui et il a quelque chose à te dire en ce mois de la prophétie. Tu as longtemps traîné tes fardeaux sans pouvoir t'en décharger. Tu as toujours cherché la solution à ton problème ailleurs sans la trouver. Tu t'es confié à des personnes qui ne t'ont pas aidé. Essaye Jésus-Christ cette fois-ci, car une seule parole de Dieu peut changer toute une vie. Assiste au grand culte prophétique d'octobre à la CBC paroisse Rima avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet sous le thème « Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie ». C'est dimanche 3 et 10 octobre 2021 à Yaoundé dès 7h30 à la base internationale Rimabir en Kwabon à Douala dès 16h. En Dogbon derrière l'immeuble Kamley. C'est dimanche 17 et 24 octobre 2021 à Yaoundé dès 7h30 à la base internationale Rimabir en Kwabon et dès 16h à la CBC paroisse Rimabertois située au lieu d'Imbomo par Boni sur la route de Belabo après la deuxième barrière de police. Ce dimanche 31 octobre 2021, c'est le culte des plaintes à l'éternel à Yaoundé et à Douala. Notez bien, à Bertois, ce dimanche 24 octobre dès 16h, c'est la première édition du culte des plaintes à l'éternel. Des bus transporteront gratuitement les fidèles à l'église dans les villes de Yaoundé et Bertois. Vous et vos familles, mobilisez-vous pour assister à ces programmes. C'est le mois de célébration, de visitation, où Dieu met fin à la servitude de Satan. N'oublie pas ton huile de faveur. Plus d'informations au 680 79 66 0. Nous sommes des victorieux par l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes des victorieux par l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes des victorieux
par l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes des victorieux par l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Nous allons aller rapidement. On a une personne pour une action de grâce, Fautine Claude. Et une autre personne, notre soeur Mengue, pour une offrande de connexion. Il va avancer, nous allons prier. Et pendant ce temps, il y a... Alléluia, test Jésus. Il y a des gens qui ont pris des vœux la fois passée, pendant le programme. Si vous êtes là, vous allez... c'est juste de ce côté, vous allez vous tenir... ce côté. La sœur Mengue pour l'offrande de connexion. Tu as pris un vœu pendant le programme passé où papa était là. Tu peux avancer. Nous allons. Nous sommes des victorieux par l'onction du Saint-Esprit. Jésus, levez vos offrandes. Père, au nom de Jésus, je tiens sur le manteau et la grâce de Dieu dans la vie de mes parents. Père, pendant qu'ils viennent se connecter et déposer cette action de grâce, Père, que le Dieu qui marche dans ce ministère, marche dans leurs affaires, leur business au nom souverain de Jésus. Et qu'il ne cesse de couler dans leur vie des témoignages au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous déposez vos offrandes. Les vœux, ceux qui ont pris les vœux la fois passée, vous voulez honorer cet engagement, vous pouvez avancer. Chantons à l'Éternel des cantiques nouveaux, car il nous a donné la victoire. Sa main sainte et puissante. Alléluia. Ok. Levez vos semences. Paix au nom de Jésus. Parce qu'il honora son vœu. Je me tiens sur le manteau et la grâce de Dieu dans la vie de mes parents. Père, bénis-le et enrichis-le en ce temps et en cette saison. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Et pour tous les malades, tout à l'heure, tu n'as pas eu l'occasion de prendre ta bouteille d'huile de faveur. L'huile de faveur est juste à l'ancrer. Donc, aie ta bouteille d'huile de faveur. Ne rentre pas sans ta bouteille. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Ok. Alléluia. Qui aime Jésus? Who loves Jesus? Qui aime le Seigneur Jésus? Who loves the Lord Jesus? Ok, les malades qui sont là, je veux prier avec eux. I'll pray with them. Donc, on va s'arranger pour que les malades avancent ici autant qu'on venait pas maintenant. Le protocole va nous aider et je voudrais remercier l'Assemblée de Berthois pour like to thank the Assembly of Berthois for les soins portés, the care
à notre pasteur Pascal, to our pastor Pascal qui actuellement est affecté à Douala, that actually is in Douala, et à l'accueil que vous avez apporté au révérend Junior qui était à Douala et qui est venu à Bertois. Douala and came to Bertois. Que Dieu vous bénisse au nom God de Jésus. Bless you in the name of Jesus. C'est des soldats, c'est des guerriers. They are soldiers, they are warriors. Je les ai formés comme ça. I train them like un homme de Dieu doit être un exemple. Il doit travailler lui-même. Il est au four et au moulin. C'est important. Amen. Important. Après nous, c'est eux qui vont porter le flambeau. Donc, prenez soin de lui. Take care of him. Et nous sommes en train d'organiser un culte spécial. We're organizing a special service. Nous allons organiser un culte spécial pour dire au revoir au révérend Pascal. Ceux qui ont des cadeaux, vous apportez. Il va venir faire culte ici. Et Haïti, qu'on a déjà fait. Ah, vous avez déjà fait. Hein? Ah, les gens disent qu'on refasse. D'accord, on va organiser ça. Amen. Peut-être le premier dimanche du mois prochain, le revend Pascal va, l'aspirant Pascal va venir. Pourquoi vous lui disiez au revoir bien? Et le reverend Junior va rentrer à Douala. Pourquoi Douala lui dise au revoir bien? C'est comme ça qu'on va faire. Que Dieu te bénisse. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. J'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Dans le nom souverain de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que ton étoile brille. Partout où tu iras, le blocage ne sera plus ton partage au nom souverain de Jésus. Le Seigneur te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Quelqu'un ne dit pas Amen. Tu n'es pas en train de dire Amen. Qui a un rapport avec le nom Zé? Who is in relationship with the name Zé? Zé, Zé. Que ta puissance m'embrasse, esprit. Zé, c'est mon père. Mon père. Venez. De Dieu. Que les anges. Est-ce que Bertois est là ce soir? Sature l'atmosphère, esprit. Zé, c'est votre père. Zé is your father. Mon faux père. Feu, votre père. Oui. Your late father. Marie, c'est qui? Marie, c'était ma grand-mère. La mère de qui? La nourrice de mon père, puisque sa maman était morte depuis. La nourrice de Zé? Oui. D'accord. Vous savez, regardez. Non. Vous êtes avec votre famille ici? Je suis avec mes enfants et mes petits frères. Appelez-les. Call them. Vous n'êtes pas venu avec eux? Non, il y a l'une de mes filles qui est au protocole. Elle n'est pas venue à cause des enfants, des petits enfants. Dieu aurait souhaité visiter votre maison aujourd'hui. Mais vous êtes là, je veux prier pour vous. Amen. Vous en prenez? Amen. Toute malédiction dans la maison de votre père. In your father's house. Papa, c'est. Papa, Mathias, c'est qui? Comme Mathias. Papa, je me souviens. Vous vous souvenez pas de Mathias? Non, papa. Je peux vous aider? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ok. Tends ta main. Oui, c'est pourquoi? Oh, Jésus, merci. La gloire de Dieu ici. C'est pourquoi, maman? What is it for? Papa, pardon, excusez-moi. Je me dis que ça, c'est ma prophétie parce que mon grand frère s'appelle Zé. Marie, c'est moi-même. Mathias, c'est moi. Mathias, c'est vous. Aïe, aïe, aïe. Wow, 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 wow. Wow. Souffle. On appelle ça... Ça dit que... On appelle ça la prise d'otage prophétique. Venez, venez. On va voir. On est là pour ça.
festival de prophétie, mais c'est comme si aujourd'hui, ben toi ne veux pas la prophétie. On peut prier sur les malades. La prophétie t'éclaire. Maman, venez un peu. Vous, venez. Comme un but. Mets-toi comme ça. J'ai vu une femme qui court. C'est qui? Elle est tailleuse. On dit tailleuse. On dit tailleuse. C'est français. Couturière. Merci. Il y a des académiciens ici. C'est qui? Tu cours, tu cours. Celle qui court, c'est ma fille. Hein? C'est ma fille qui court. Votre fille court. Oui. Et c'est notre couturière ici. Is that another seamstress here? Il y a quelqu'un ici qui court. Is there someone here that sews? Ça dit que tu as ton salon, tu cours. Je dis que tu as ton atelier de couture. Je parle d'atelier de couture. Tu as ton atelier de couture. Lève ta main. Lift up your hand. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu nous fais du bien à Bertois. Lord, thanks because que ton nom soit béni, qu'il soit exalté. Seigneur, sois honoré au milieu de nous. Lord, be honored que toute la gloire te revienne, Seigneur. All the glory be given to je m'humilie devant toi. I humble myself. Fais de moi un instrument de grâce pour mes frères et mes soeurs. Que toute souffrance qui leur a été imposée s'arrête. Que chacun retourne étant béni, délivré et guéri. Seigneur, tout fardeau que le diable leur a imposé, je commande que ce fardeau leur soit ôté dans le nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Qui a un rapport avec quelque chose comme Na? 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 C'est qui? Na? 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 C'est qui? Na? Qui a un rapport avec ça? Le nom, c'est un nom. Na? C'est qui? Où? Qui? Na. Ina. Ina. Na. Na. Qui a parlé dans le micro? Le micro est où? J'ai dit Na. Qui a un rapport avec Na? Quelque chose comme Na. C'est moi, papa. J'ai dit Ina, c'est moi, papa. C'est pas Ina. Je parle de Na. Écoutez, où est le reverend? Na, c'est... Avant de donner le micro à quelqu'un, écoutez d'abord ce que la personne dit hors micro. Avant de mettre le micro. C'est ma petite soeur qui s'appelle Na. Elle s'appelle Na. Elle est où? Elle est en ville. Ok. Il y a quelque chose de mauvais devant votre petite soeur. Je vais prier pour ça. Vous, c'est quoi? C'est Na, papa. Na, c'est qui? C'est ma cousine. Non, c'est pas vous. C'est la maman, là. Zamariwa Ines Prameras in Krasu. Vous souffrez de quoi, maman? What are you suffering of? Vous souffrez de quoi? What are you suffering of? Ah, les maux de tête. Hein? Les maux de tête, les vertiges. Je n'arrive pas à bien marcher. Vous n'arrivez pas à bien marcher à cause de vertiges? Oui, c'est comme si j'ai bu. Comme si vous avez bu. Ok, est-ce qu'on peut enlever l'alcoolisme mystique là sur la maman? Can we remove evil alcoholism on that? Est-ce qu'on peut faire ça? Can we do it? Une bouteille d'eau. A bottle of water. Je veux une bouteille d'eau. I want a bottle of water. Zamares inatros. Vous êtes enceinte? Are you pregnant? Vous êtes mariée? Je suis mariée, papa. Hein? Je suis mariée. Officiellement mariée. Officiellement. Il est où? Il est là derrière. Appelez-le. Call him. Joe, viens par là. Joe. Viens, pardon, viens vite, Joe. Joe, tu es. Tu fais le bon travail. Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Comme maman boit de mon eau, elle va marcher normalement aujourd'hui. Elle va rentrer chez elle étant contente. N'arrachez pas, attendez, je finis la prière. Père, merci pour sa délivrance et pour la restauration au nom de Jésus-Christ. N'arrachez pas l'eau. La laissez, je vais vous donner. Je comprends votre problème. Soyez patient. Tenez, votre mari est où? Il est mort. Il est mort, n'est-ce pas? Buvez d'abord l'eau aussi. Buvez. Buvez encore. Ouvrez encore, buvez. Cet esprit. Buvez encore.
souffle. Merci. Fermé. Vous êtes libre au nom souverain de Jésus. You are free in the sovereign name of Jesus. Venez, marchez. Come, testez votre marche. Allez-y vite. Allez. De Dieu. Que les anges du ciel saturent l'atmosphère. Si quelqu'un acclame, il reçoit aussi son miracle ce soir au nom de Jésus. Vous êtes contente? Comment vous vous sentez? Ça va, j'arrange le foulard, maman. Ça, c'est ma maman personnelle. Ok, qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? Je ne sais pas. Seigneur, je suis maintenant à toi. Je ne sais pas, je ne peux pas vivre sans Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre sans le Seigneur. Sans le... Je prie qu'il soit votre Dieu. Ne jouez pas avec lui, vous comprenez? Yes. Votre mari est mort de quoi? What did your husband die? L'AVC. Il est mort de l'AVC. He died of stroke. D'accord. Regardez. Look. Maman. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Can I tell you something? Votre mari vous dit qu'il est mort d'AVC. C'est the ça, n'est-ce pas? Say he died of stroke. D'accord. Mais votre mari, son AVC n'était pas un AVC normal. Il n'est pas mort d'un AVC normal. Vous comprenez? Je veux prier pour vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas et qui est un danger. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé à Bertoua. C'est pour la délivrance des fils de l'Est, des fils et des filles de l'Est. Vous suivez? Regardez. À l'époque où votre mari était vivant, il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne connaissez pas. Il a eu un problème avec une femme. Vous suivez? Il a eu un problème avec une femme. Une femme. Dehors. Outside. Et une femme and a woman que vous connaissiez. You know. Et la femme, si and this woman, il y a des personnes, there are people, vaut mieux elles n'entrent pas dans votre vie. Parce que si elles entrent dans votre vie, elles peuvent raccourcir votre vie. Elles peuvent, ça veut dire raccourcir, ça veut dire elles peuvent écourter votre vie. Vous souffrez. Regardez. Votre mari a commis une erreur dans sa vie qui a été fatale pour lui. Vous comprenez? À l'époque, avant qu'il ne meure, il a rencontré une jeune femme, avec une femme qu'on appelait Clémence. Hein? Qu'on appelait Clémence. Et qui est une femme que vous connaissiez. Une femme qui parfois vous rendait visite à la maison. Et vous avez demandé à votre mari que... Papa, parce que comme ça que vous l'appeliez. Papa, Clémence c'est qui? Who is Clémence? C'est qui Clémence? C'est ça. C'est ça? Oui. Et vous avez répondu quoi? And what did he answer? Comme ça fait longtemps, hein? Il avait toujours beaucoup de petits problèmes comme ça. Il vous a dit que de c'était une... au téléphone, de fois, oui. Vous l'appelez, j'ai demandé que c'est qui t'appelle. Oui. Quand vous avez demandé Clémence... Il vous a dit que c'est juste une amie. Hein? Que c'est une amie à lui. Vous lui avez demandé qu'il y a quoi entre toi et Clémence. Il vous a dit que non, il n'y a rien entre elle et moi. Mais vous n'avez pas cru. Mais vous êtes resté tranquille. Parce que votre mari aimait boire. Hein? Il aimait beaucoup boire. Et il partait boire chez une femme à côté de chez vous. Hein? Il y avait une femme à côté de chez vous. Qu'on appelait Mazé. Mazé. Hein? Mazé, chez Mazé. Maman Mazé. Et il buvait le vin traditionnel. Hein? Et c'est là-bas qu'il la rencontre. Vous la connaissez? Do you know her? Venez confirmer la prophétie, come s'il vous plaît. Confirm the prophecy, please. Bertoua n'est pas prêt ce soir. Bertoua, oh! Vous me connaissez quelque part? Non. Laissez-moi vous révéler les secrets de votre vie. Ça, c'est qui? Who is this? C'est ma cousine. C'est votre cousine? Your cousin. D'accord. Ce que je dis est vrai? C'est vrai. Hein? C'est vrai. D'accord. Vous savez que son mari allait boire. Qu'ils buvaient. Hein? Qu'ils buvaient beaucoup. Oui. Qu'ils allaient boire chez Mazé. Oui. Une d'accord. Femme Bassa. Une femme Bassa. Oui. D'accord. Regardez.
C'est chez cette femme Mazé qu'il a rencontré Clémence. Et quelque chose s'est passé entre lui et Clémence. En fait, il a aimé Clémence. Vous comprenez? Et il a proposé le mariage à Clémence. Et après cela, Clémence s'est rendu compte qu'il n'était pas sérieux. Parce qu'il a dit à Clémence que vous aviez des problèmes et que vous allez vous séparer. Quand Clémence s'est rendu compte qu'en fait, il l'a trompé pour la voir, elle lui a dit que si tu vis 6 mois, tu changes mon nom. Voilà comment elle est partie sacrifier, faire des sacrifices pour que votre mari ne vive pas. Et votre mari a commencé à avoir d'abord des tremblotes avant l'AVC. Il a commencé à avoir des tremblotes. Hein? C'est ça? Il a commencé à avoir des tremblotes. Des tremblotes. Et après la tremblote, un jour, parce qu'à l'époque, vous habitiez, vous étiez dans votre maison. Hein? Dans la maison, si vous étiez dans cette maison-ci. J'ai vu une maison et j'ai vu une maison en briques de terre. Hein? J'ai vu une maison en briques de terre avec un salon. Et quand je suis entré dans votre salon, il y avait un canapé où votre mari aimait se coucher. Il y avait un canapé de 2 places. C'est encore là maintenant. C'est un vieux canapé. C'est un vieux canapé déjà. Donc il se couchait là et il y avait 2 autres canapés et une table en bois au milieu. Avec une armoire. Regardez la maman s'y ferme la bouche. Oh yo, yo. Sa cousine met la main à la bouche. Maman, qui aime Jésus? Who loves Jesus. Tout pour la gloire de Jésus-Christ. All for the glory of Jesus. Tout pour la gloire de Jésus. All for the glory of Jesus. La maman en jaune-ci. Mettez-vous debout, vous êtes. It's more than yellow. Stand non, celle qui a le truc jaune sur elle, oui. Restez là-bas. Écoutez. Listen. Il y a un ange de Dieu qui est en train de venir vers vous avec l'exaucement de votre prière. Parce que vous priez beaucoup. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous avez crié au Dieu des cieux. Il y a une déception sentimentale, cinglante, que vous avez vécue. Je vous ai vu avec quelqu'un en qui vous avez beaucoup investi. Investi des années. Qui n'a pas été reconnaissant. Et qui s'est détourné pour prendre quelqu'un de proche. Et Dieu m'a dit de vous dire, une consolation viendra et votre relèvement viendra de lui-même. Amen. Ne pleurez plus. Don't cry. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le Dieu des cieux vous console. La déception ne sera plus votre partage. Amen. Que la main de mon Dieu soit sur vous. Amen. Attendez l'ange de Dieu. Il arrive. Il est en route. Oh, je ne sais pas qui veut la prophétie ce soir. Je suis venu prophétiser. On a dit c'est le mois de la prophétie, festival de prophétie. Maintenant, regardez. Votre mari donc a commencé à trembler, après il n'arrivait plus à sortir et après ça il a commencé à faire pipi sur lui et vous êtes obligé de laver, enlever ses habits, changer ses habits après et il est parti. Maintenant, lorsque votre mari est parti, les choses ne se sont pas passées normalement après sa mort. Il y a eu des problèmes dans la famille. Il y a eu trop de problèmes. On a commencé à vous accuser. Les gens ont commencé à vous accuser que c'est vous qui avez tué votre mari. Ça a commencé à vous blesser. Vous êtes senti trahi par votre... Vous avez demandé au bon Dieu de vous donner la force. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez, le Seigneur vous justifiera aujourd'hui. Vous suivez, maman? Le Seigneur va vous justifier. Vous comprenez? Aucun malheur ne vous arrivera. Vous vivrez, vous rentrez chez vous, vous êtes en santé. Parce que ce que Clémence a fait contre votre mari, c'est aussi contre vous. C'est pour ça que vous avez commencé à trembler comme votre mari. Vous suivez? C'est pour ça qu'elle aussi, la tremblote a commencé à l'arrêter. Mais le Seigneur vous libère à partir d'aujourd'hui. Vous rentrez chez vous, étant libéré au nom souverain de Jésus. Maman, oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous donne la santé. Amen. Qui vous donne une longue vie encore. Amen. Je vous aime beaucoup. Vous êtes une bonne maman. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Allez en paix. C'est une grande maman là-bas. Regardez.
Je viens où? Ah, ça c'était. Zé, et c'est Joe. Zé. Ça c'est Joe. Ça c'est Joe. Joe. Salut, vous êtes un vrai homme. Merci. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 2 ans. 2 ans? Oui. Vous faites le bon travail, mon fils. Merci. Ça c'est un vrai homme. Vous n'êtes pas un chômeur. Merci. Vous faites le travail, fils Abilillah. Merci. Ouais. Maintenant, regardez. Le Seigneur va vous bénir. Vous comprenez? Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Maman, j'ai vu une femme qu'on appelle Christiane. I saw a woman called. Vous suivez? J'ai vu une femme qu'on appelle Christiane. Oui, Christiane. Papa, c'est ma belle-sœur. Hein? Ma belle-sœur. Et ça va comment avec vous? Pas très bien. Ok. Soyez prudente. Be careful. Merci, papa. Regardez, vous. Maintenant, vous voyez que. Now you see lui, that. Cet homme, vous l'aimez? This man, do you love him? Hein? Je l'aime. Vous l'aimez? Je l'aime. Jusqu'à quel point? To which extent? Je ne peux même pas déterminer. Vous ne pouvez pas déterminer. Mettez-vous en face ici. S'il vous plaît, mettez-vous en face que le peuple vous voit. Mettez-vous comme ça. Like tout le monde, tournez-vous comme ça. Tout le monde. La boule à nous tous, on est dedans aujourd'hui là. Il n'y a pas de problème. Des cieux. Oh, chantez ça. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Regardez. Look. Parce que vous êtes venus ce soir. À ce programme. Amen. Vous suivez? Amen. Le Dieu des cieux va apporter un miracle financier dans votre carrière. Amen. Parce que là où je parle, vous êtes en train de traverser une période difficile. J'ai vu des projets. Très difficile. Et quand vous restez, vous avez des projets. Que si tes projets réussissent vraiment, on va voir, oui. On aura. D'accord. Le démon qui s'est immiscé dans vos vies, je le chasse au nom de Jésus. Amen. Il y a un miracle financier qui viendra devant vous. Amen. Tout à l'heure, nous avons prié que Dieu libère nos finances. Tes finances sont aussi libérées au nom souverain de Jésus. Tes finances sont libérées au nom de Jésus. Amen. Tout démon qui était assis sur ta richesse, je le chasse par le feu. Je le chasse par le feu. Amen. 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 Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu ne seras plus un sujet de honte. Ce n'est pas possible, je te dis la vérité. Regardez, vous aimez cette femme? Très. Hein? Très. Vous l'aimez très, très. Très, très. Très, très. Oh. Toi aussi, Dieu va te donner un homme qui va t'aimer très, très. C'est une prophétie sur ta vie. Amen. Écoutez, si j'ouvre ma bouche pour parler, j'ai pas besoin de te toucher. Et si, et toi là-bas, tu crois, je prophétise, la chose arrivera. Le Seigneur m'a promis qu'il veillera sur toute parole qui sort de ma bouche pour l'accomplir. Je déclare une restauration miraculeuse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il y a un problème dans votre mariage qu'il faut résoudre. Il y a un problème. Ça vient de vous. Il faut résoudre. Vous ne connaissez pas, mais je vais vous révéler ça. Avant de connaître celle-ci, vous étiez avec une femme. Vous étiez engagé avec une femme. Et vous avez eu un problème dans tous les cas. Vous avez eu un problème et vous êtes séparés dans la fâcherie et dans des conflits. Hein? Vérité, papa. C'est vrai. Vérité. C'est vrai. C'est vrai. On a déjà causé. Non. Ok, attendez, laissez-moi aller un peu plus devant. Vous voyez, tu épouses une femme, mais si tu ne rencontres pas un prophète, les pasteurs ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas leur domaine. Vous comprenez? Nous, on est les voyants. Ça veut dire qu'on regarde et on voit ce qui est caché.
Donc quand je te dis que d'ici l'année prochaine, tu auras ton terrain, ta maison, ta voiture, c'est que je te dis ce que j'ai vu sur toi. Si tu dis amen, cette tension tombe sur toi maintenant. Amen. Celui qui se met debout dit amen, la double portion tombe amen sur toi. Tu ne peux pas m'écouter enseigner. You can't hear me teach. Mon ami, et tu demeures pauvre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans la ville-ci, on va entendre parler de vous. We hear about you. Regardez. Look. Parce que, Seigneur, aide mes enfants si vraiment à comprendre que la vie n'est pas simple comme ils voient. Je suis arrivé et j'ai vu la femme dans votre maison. Hein? Je l'ai trouvée dans votre maison. Après, il y a eu des problèmes. Et elle a ramassé ses choses, elle est partie. Mais les choses ne sont même pas finies quand elle est partie. Vous me suivez? Il y avait, quand celle-ci est entrée, il y avait encore ces choses dans la maison. C'est celle-ci qui a dit que non, je ne peux pas habiter dans une maison avec les choses de ton ex dedans. C'est vrai. C'est ça? C'est vrai. Elle a porté ça elle-même, elle a mis ça dehors. C'est vrai. Elle vous a dit, appelle-la, qu'elle vienne chercher ses affaires. C'est vrai. C'est ça? C'est vrai, papa. Et il a pris son téléphone. Et il a composé son numéro qui est un 699 90 01 et 0 quelque chose. Il rit. Est-ce que Bertou... Oh, la ville s'y me dérange. Un sorcier porte ton nom dans la sorcellerie pour faire les bêtises avec. Il va mourir sur place. Amen. Il va mourir sur place au nom de Jésus. Amen. J'ai vu une vision. I saw a vision. Et j'ai vu ta restauration. And I saw your restoration. J'ai vu la gloire, la gloire. Mon Dieu. Amen. Quand cette prophétie va s'accomplir sur toi, ne méprise pas le pauvre. Parce que Dieu va te bénir. Amen. Ça, même si quelqu'un te dit le contraire, comment? Dis que le prophète Ferdinand et Kane a dit que son Dieu a dit que je ne vais pas mourir dans ma condition. Parce que c'est ce qui arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu seras le Joseph de ta famille. Amen. Tu seras le Joseph de ta famille. Amen. La restauration commencera par toi. Amen. Si quelqu'un dit amen, son étoile commence à briller. Amen. Maintenant, écoutez. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que je ne dis pas que la fille ici est mystique. Non. Mais je dis que les portes du passé, il faut les refermer. Elles sont refermées. Il faut bien les refermer. Elles sont refermées, papa. Est-ce qu'elles sont bien refermées? Elles sont bien refermées. Est-ce qu'elles sont refermées avec les cadenas? Peut-être, je ne sais pas. Tout est refermé depuis. Les clés, est-ce que vous avez jeté ça? Jeté ça. Si vous le faites de tout votre cœur, le bonheur arrivera. Amen. Vous comprenez? Amen. Et le Seigneur va vous donner une connexion avec le bois ici. Amen. Vous me suivez? Amen. Dieu va vous donner une connexion avec le bois ici à l'est. Amen. Écrivez ça. C'est à partir de là que le Dieu des cieux commencera à vous restaurer. Amen. Accoucher en paix. Amen. Bless you. Amen. Si quelqu'un acclame, il reçoit son miracle. Oh mon Dieu. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici qui ont des difficultés à marcher? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour marcher? Ça veut dire que... Hein? Il y a des gens ici comme ça? D'accord. Oh, la ville de Bertoua est bénie, mon Dieu. Zamatawa in Heslomi. Klosteka fromi in Sera. Vous avez eu quoi? Montez-moi le papier.
entorse inguérissable depuis un an. C'est ça? Asseyez-vous. Vous avez eu quoi? Un déboîtement à la hanche. Et cela maintenant 3 mois. Depuis 3 mois. Ouais. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un accident de travail. Accident de travail? Oui. D'accord. Les deux béquilles, c'est pour vous? Oui. D'accord. Oh, oh, maman, je t'aime beaucoup. Ah, quoi? Qui a la fracture de la colonne? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Oh non! Non, 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 non. Père, Père, que la colonne vertébrale de maman soit recollée. Au nom de Jésus. Hoche! Collez-vous. J'ordonne que ces os se récoltent maintenant. Collez-vous. Père, qu'un miracle créatif lui soit donné. Un miracle créatif maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, que l'impossible devienne possible. Rends possible l'impossible dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Maman, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Tiens son bâton, doucement. À votre âge, que Jésus vous honore aujourd'hui. Ça va. C'est votre maman. Relâche ta gloire. Qui croit que les os de maman peuvent être collés sur place maintenant? Seigneur, regarde l'âge de cette femme. Regarde les kilomètres qu'elle a fait pour venir. Tu ne peux pas la laisser rentrer avec une colonne vertébrale cassée aujourd'hui. Seigneur, je refuse cela. J'ordonne à ses os de se recoller au nom de Jésus. Que ces os se récoltent maintenant. Que ces os se récoltent au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prends tout le monde à témoin. I take everybody as a witness. Vous suivez? La guérison est le pain des enfants. Healing is the bread. Le miracle of children est encore possible. Miracle aujourd'hui. Is still possible today. Regardez ce qui va se passer. Look at what will happen. Voilà. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Venez, maman, doucement. Voulons voir ta gloire. Afin que le monde entier sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa fille est où? Laisse-la, laisse-la. Venez, maman. Maman, viens. Si quelqu'un ne célèbre pas Jésus, c'est qu'il n'est pas avec moi ce soir. Sa colonne vertébrale était cachée. Mais le Seigneur l'a relevée ce soir. Elle peut à nouveau marcher. Elle peut célébrer Jésus-Christ ce soir. Célèbre Jésus avec maman. Waouh. Viens. Venez. Ça vous fait quoi, maman? Vous êtes contente? Pourquoi tu pleures? Hein? Elle ne croyait pas que vraiment je vais marcher. Elle ne croyait pas que vous allez marcher. Ça va, maman? Ça va. À votre âge, amen. Je ne peux pas supporter que vous rentrez malade. Amen. Ce n'était pas possible, vous comprenez?
Il y a des miracles que quand tu vois quelqu'un pleurer, ça veut dire la personne a suivi de près la souffrance du malade. Toute maladie dans ton corps disparaît. Toute personne qui souffre du cancer, qui souffre des hépatites, du VIH, quel que soit le nom de ta maladie, j'ordonne, esprit de maladie, sort. 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 Cette maladie libère ton corps au nom puissant de Jésus. Maman, venez. Je vous aime beaucoup, venez. Si tu célèbres sa guérison, tu connectes ta vie, ta maison à la santé et à la guérison divine. Là voilà, elle marche devant tout le monde comme une jeune femme de 16 ans. Il n'y a plus d'impossible avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité. Maman, vous croyez que Dieu peut vous faire marcher? Oui, papa, ne crois. Il n'y a plus de possibilités avec toi. Marchez au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle a sa famille ici? Tout est possible. Hein? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette maman? Saint-Esprit, avec toi. L'entends, c'est où? C'est où? C'est ici. Saint-Esprit, il n'y a plus. Onction de guérison descend sur ce pied au nom de Jésus. Anointing of healing come down on this leg in Jesus' name. Que maman retrouve l'usage de ce pied. Pied guéri. Sois guéri par le maîtrise de Jésus. Sois guéri. Je commande que cette entorse quitte ce pied maintenant. Quitte ce pied. Que tout se redresse maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Que tout se redresse maintenant. Au nom redoutable de Jésus de Nazareth. Amen. Allez. Avec toi. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Allez, vous êtes libre. Allez, maman. Avec toi. Tiens sa béquille comme ça. Lève sa béquille derrière. Avec toi. Oh, les gens n'acclament pas la délivrance avec ce soir. Toi. Avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi. Seigneur, ton nom, les paralytiques marchent. J'ordonne que cet ange déboîté se réemboîte au nom souverain de Jésus. Qu'elle s'emboîte de nouveau dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Regardez-moi. Faites comme ça. Protocole. Tenez-le. Aidez-le. Qui vous a dit que vous avez la hernie ombilicale? Hein? Oh, le micro. On m'a dit ça hier à l'hôpital. On vous a dit hier à l'hôpital. Si je prie, vous croyez que vous allez retourner? On va vous dire que ça a disparu. Je crois faire. Mettez la main. Qui a mal au dos? Hein? Moi, mon père. Ça va, vous êtes libre. Allez. Merci. Allez, allez. Allez, fais le mouvement que vous ne faisiez pas. Afrique.
y a les paralytiques qui marchent ici. J'en acclame pas. Que Dieu vous délivre de ce Christ aujourd'hui. Amen. Sortez de cette prison. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps, libère ton corps au nom souverain de Jésus-Christ. Vous allez pilacer depuis 5 ans. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ça va, vous êtes libre. Allez. Vous êtes libéré de l'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'hémorroïde. Mettez. Attendez, je prie pour l'enfant, je viens, ok? Père, je commande que cette bosse disparaisse dans le nom souverain de Jésus. Père, je perds cet enfant dans le règne de l'esprit. Je coupe cette protubérance et je la sépare de son corps. J'ordonne que les organes normaux soient rétablis dans son corps. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y avait le pied? Ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 semaines environ. 2 semaines? Oui. C'est une blessure? Là, je blessure. Là. Hein? Père, au nom de Jésus-Christ, je commande que cette plaie guérisse au nom redoutable de Jésus. Que ce pied redevienne normal. C'est fini. Vous êtes guéri. J'attends votre témoignage. Vous comprenez? Dès que c'est fini, vous revenez avec lui. Okay. Hein, maman? Merci. Vous comprenez? Merci. Vous venez, dis merci au Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il y a fruit. Impossible. Avec toi, le Seigneur de visite. Il n'y a plus de possibilité. Oh. Père, restaure-la au nom souverain de Jésus. Il n'y a plus de possibilité. Allez le micro. Il n'y a plus de possibilité avec toi, avec toi, avec toi. Quand je prie sur vous, la prochaine fois ne venez plus parmi les malades. Vous comprenez? C'est un manque de foi. Donc quand on prie pour vous, c'est fini. Ne revenez plus parmi les malades. Vous... Amen. Avec toi, tout est possible. Saint Esprit, il n'y a plus. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. On a opéré le pied. Mais ça ne va pas toujours. On a détecté l'abcès dans le pied, dans le genou. Seigneur, au nom souverain de Jésus, que ce pied soit guéri immédiatement, dans le nom de Jésus. La frère. Je n'ai pas assez de temps, je vous assure. Il n'y a pas assez de temps. Sois guéri. J'ai déjà prié sur les gens, j'ai déjà prié sur vous. Soyez guéri. Sois guéri. Avec toi. La frère. Avec toi. Ça va, maman. Que le Seigneur vous guérisse. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Mets-toi debout. Avec toi. Stand.
Que les portes fermées dans ta vie soient ouvertes maintenant. Est-ce que je peux prier avec toi rapidement? Que toute porte fermée dans ta vie s'ouvre. Dans le nom souverain de Jésus. Que toute mauvaise personne autour de toi soit exposée. Every bad person around you be exposed. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Dis mon Père et mon Jésus. Say my Father and my Jesus. Que les portes fermées de ma vie soient ouvertes. May the closed doors of my life be opened. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. In the sovereign name of Jesus Christ. Tout acte contre ma vie est annulé au nom souverain de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh God, combat mes combats. Fight my battles. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. In the sovereign name of Jesus Christ. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Je prophétise sur cette semaine. I prophesy over this que cette semaine soit une semaine de grâce pour vous. May this week be a week of grace. Tout ce qu'on t'a arraché, on va t'appeler pour remettre ça au nom souverain de Jésus. Je n'entends pas le amen de quelqu'un ce soir. Tout ce qu'on t'a volé et que tu es en train de rechercher reviendra vers toi au nom de Jésus. Que la confusion s'éloigne de ta vie. Que le manquement s'éloigne de ta vie. Que la pauvreté s'éloigne de ta vie. Que la maladie s'éloigne de ta vie. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Dis mon Père, je confesse que je suis béni. Je confesse que je suis élevé. Je confesse que je suis la tête et non la queue. Dans le nom souverain de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu. Je veux voir ta main. Ça est restauré. Je bénis tes enfants au nom souverain de Jésus. Je bénis vos enfants au nom de Jésus-Christ. Aucune œuvre de sorcellerie ne prospérera contre ta vie. Dans le nom souverain de Jésus. Tu seras la tête partout où tu iras. Tu brilleras partout où tu seras. Que la main de Dieu parle en ta faveur. Au nom souverain de Jésus-Christ. Que vos enfants brillent partout où ils seront. Dans le nom souverain de Jésus. Que vos malédictions soient changées en bénédictions. La grâce de Dieu dans toutes tes entreprises. Prends ton téléphone, allume-le s'il te plaît. Laisse-moi le bénir. Je veux prier pour des connexions. De bonnes connexions dans ta vie et dans ta famille. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je veux voir. À cause du temps. À cause du temps. Parce que nous on est rentré à Yaoundé. Que la main de Dieu soit sur vous. Le révérend Junior va vous inscrire pour la prophétie pour dimanche prochain. Nous avons culte des familles ici. Culte des plaintes. Hein? Dimanche on a quoi? Donc viens avec tes enfants, viens porter plainte devant Dieu contre tout démon qui se tient derrière ta vie. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Maintenant je veux prier pour des connexions. I'll pray for connections. Il y a des bonnes personnes que si tu les rencontres, there are good people that if you encounter ta them, vie sera différente. Your life will be different. C'est ce genre de personnes que je vais appeler dans ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lève ton téléphone. Lift up your phone. Laisse-moi te bénir. Let me bless you. Père, je prie au nom précieux de Jésus-Christ. Father, I pray in the precious name of Jesus que tout démon de limitation dans leur vie sort de leur vie. Out of their life. Sort de leur vie. Out of their life. Sort de leur vie. Out of their life. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Tout esprit de pauvreté. Every spirit of poverty. Dans tous les domaines de leur vie. In all the domains of their Père, life. Je punis cet esprit au Father, nom de Jésus. I punish that spirit. Je les déconnecte des mauvaises connexions. Et je les connecte aux bonnes connexions. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, je connecte ces téléphones à des appels qui changeront leur vie. Si vous êtes chômeur,
Votre téléphone sonnera. Your phone will ring. Si vous faites dans les affaires, if you're doing business, votre téléphone sonnera pour gagner des grands marchés. Your phone will ring to win great markets. Si vous êtes commerçante, if you're a le téléphone s'y est béni. This phone is blessed. J'ai dit le téléphone s'y est béni. This phone is dans le nom puissant et souverain de Jésus. Avant la fin de cette année, tu recevras un appel qui va tout changer dans ta vie. Le amen, ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon amen. Maintenant, donne un vrai amen. J'efface le numéro de ton téléphone dans la sorcellerie où on l'avait mis. Vous savez, il y a des gens dont les numéros de téléphone sont cachés mystiquement pour qu'on ne les retrouve pas. Que ton numéro de téléphone soit béni au nom de Jésus. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Avant le 31 décembre, tu vas recevoir un appel qui va changer ton histoire pour toujours. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Prends ta bouteille d'huile de faveur. Mets l'huile sur ta main droite. Je vous ai prié pour la préservation divine. Que Dieu te protège. Qu'il te préserve. Contre la méchanceté des méchants. Contre les œuvres de sorcellerie. Et pendant que tu le fais, pendant que nous le faisons, par la grâce du Seigneur, by the grace of the Lord, quand tu seras riche, when you'll be rich, et que les choses vont commencer à bien marcher, and things will begin to work well, ne méprise pas le pauvre. Don't despise the poor. Qui est d'accord avec moi? Who agrees with me? Ne méprise pas le pauvre. Don't despise the poor. Nous avons voulu construire le hangar ici. On m'a sorti le devis, c'est presque 20 millions. Dimension, tu touches la dimension de gloire, la dimension de puissance. Et au lieu de faire le hangar à 20 millions, je pense que nous allons engager plutôt avec la construction une fois. Parce que 20 millions, c'est la construction sera déjà avancée. C'est pour ça que je prie que Dieu vous donne l'argent. That's je vous dis la vérité. Qui s'engage aujourd'hui que si Dieu lui donne l'argent, il va s'aimer pour la construction de la chapelle de Berthois? Avant de prier la prière, si je veux te before dire quelque chose. J'ai une de mes filles qui est en Suisse aujourd'hui. Il y a de cela quelques années. Elle est venue me voir. She came to see me. Elle a apporté 400 000. She brought 400,000. Elle m'a dit, papa, c'est tout ce que j'avais dans mon compte bancaire. All I had in my bank account. J'ai vidé mon compte bancaire, je vous donne I ça. Emptied my bank account. Bénissez-moi, c'était en route. It was on the road. Elle s'est mise à genoux. She knelt. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? I asked her, what do you want? Elle m'a dit, je veux me marier à un she blanc, me, I want et un blanc riche. To a white man and a rich white man. Je lui ai dit, ok, mets-toi à genoux. I said, okay, kneel. Et j'ai mis la main sur sa tête et j'ai and prophétisé. I et je suis parti. And I left. Quelques mois après, few months later, elle est partie en Suisse. She went to Switzerland. Quand elle arrive, elle m'a écrit, when she arrived, she papa, c'est me, dur, je veux rentrer. Je lui ai dit, ne rentre pas, reste, supporte. Elle a fait peut-être 3 ou 6 mois she en Suisse. Like 3 or 6 months in après Switzerland. Ça, elle a fait la connaissance d'un monsieur after that, she met a man, très riche. Very rich. Très, très riche. Very, very quand rich. Je dis riche, là, c'est, ça veut dire que c'est un milliardaire. That is, it's a billionaire. Et ils se sont mariés. They got married. Ça fait environ 6 mois. Around 6 months after, le monsieur est mort. The man died, malheureusement. Unfortunately. Elle a hérité aujourd'hui de she toute sa fortune. Today of all his fortune. Elle est en Suisse aujourd'hui. She's in Switzerland today. Elle a fait partie sa fille. She made her daughter go. J'ai beaucoup d'histoires comme ça que je peux témoigner. Lorsque Dieu te bénit, when God blesses you, manifeste la reconnaissance. Be acknowledged. Il y a les gens ici, manger te dépasse. There are people here eating is above. Ta condition de vie est compliquée. Your living condition is compliqué. Mais après cette prière, but after this prayer, un miracle va te toucher. Miracle will touch you. Je dis un miracle va te toucher. Amen.
Et quand ce miracle va te toucher, pensez que nous sommes en train de construire la chapelle, la maison de Dieu. Parce qu'on ne peut pas continuer à être exposé aux intempéries comme ça. Qui est d'accord avec moi que si je prie ici, Dieu fait de lui un multimillionnaire. Il va venir semer ici pour la construction de la chapelle. Lève ta main. Avec l'huile de faveur. Père, j'invoque ton nom sur ton peuple de Berthois. Bénis mes frères et mes soeurs. Seigneur, suscite des hommes et des femmes riches dans cette église. Au nom souverain de Jésus. Quelle est malédiction due à la pauvreté et à la sorcellerie soit complètement ôtée de leur vie. Que la porte de la richesse soit ouverte. Seigneur, bénis leurs affaires. Bénis leur commerce. Avant la fin de cette année, Seigneur, surprends-les pour ta gloire et ta gloire seule. Merci parce que tu m'as exaucé. Dis mon Père, comme cette huile de faveur est posée sur ma tête, au nom de Jésus, ma richesse est libérée. Tout ce que j'entreprends va prospérer. Tout ce que je ferai va prospérer. Les blocages ne sont plus mon partage. Les limitations ne sont plus mes partages. L'échec n'est plus mon partage. À partir d'aujourd'hui, à cause de moi, ma famille sera bénie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen cette fois, tu mets cette huile sur ta tête. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit ton partage. Dimanche prochain, reviens avec ton mouchoir oint. Le mouchoir qu'on t'a donné, reviens avec. Venons avec toutes nos familles. Et préparons-nous avec nos offrandes de consécration familiale. Alléluia. Ne jouons pas avec. Rassemble tes enfants autour de toi. Prépare ton offrande de connexion familiale, de consécration. Et nous allons nous présenter devant l'Éternel dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Le révérend Junior va venir prier sur l'eau. Que Dieu te bénisse. Qu'il te protège et qu'il te rende prospère à tous égards. Les bus vont ramener les gens et vont revenir porter encore et ramener. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lève ta bouteille d'eau où tu es. Père, au nom souverain de Jésus, je me tiens sur le manteau de Dieu dans la vie de mes parents. Et je prie sur ces bouteilles d'eau, partout où tu es. Qu'un miracle s'attache au nom souverain de Jésus. Lorsque tu entreras en contact avec cette eau, que l'Éternel, le Dieu qui a appelé mes parents, te guérisse au nom souverain de Jésus. Et que ta maladie disparaisse totalement au nom souverain de Jésus. Que le mal disparaisse au nom souverain de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois ça, tu dis cette fois, même comme le tonnerre est scellé. Thank you.
le son des songes vient opérer. On date pas en vue des anges. Le Seigneur nous promet le soutien infaillible de la baie céleste. J'entends le son des anges, viens opérer, on a tes battants. J'entends le son des anges, viens opérer, on a tes battants. Test Jésus. Passage de distance. Et ceux pour les bus, vous attendez sur place, pas en route. S'il vous plaît, patientez juste quelques minutes. Et ceux qui ont les coupons, les bus vont arriver.